Si on arrive à 15, 12, 13, on est dans les normes. Mais quand on dépasse, c'est un peu plus grave. Bien. Alors, en attendant que Mabidiat s'installe, nous allons fermer les rideaux et je vous demande encore d'applaudir très très fort. Très très fort. Sous vos applaudissements, Mabignat, rideau, le thème, l'eau. Mesdames et messieurs, honorables invités, bonsoir. Heureux sommes-nous à nouveau de vous recevoir ici à l'Institut français pour notre festival de théâtre Les Acteurs Libres en Ville. Dans sa deuxième édition, le thème retenu est l'eau. Tout se passe dans un village imaginaire nommé Ngofula. Ses habitants considèrent l'eau comme un simple liquide qui pourtant construit mais détruit également. Malgré les recommandations du chef du village, personne ne prend en compte ses paroles. Le malheur s'abat alors sur cette petite population. Mais quelle en est la cause? C'est alors que la préservation de la pureté de cette substance s'impose. Car ne dit-on pas que l'eau, c'est la vie? Sur ce, mesdames et messieurs, je vous remercie et je vous prie de bien vouloir apprécier ce tout premier passage du lycée Georges Mabignat. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Mais vraiment, les gens sont des vrais caméléons. Hein? Donc, depuis qu'elle a reçu une nouvelle lampe, cette agate là, cette agate, elle ne se sent plus dans ce village. Cette petite lampe. Oh Seigneur, merci de m'avoir donné la vie encore une fois de plus en ce jour. Tu es merveilleux, mon Dieu, tu es bon. Ah! Bonjour, ma chère, tu es là. Bonjour. Génie. Agathe, c'est quoi ton problème? Tu me cherches? Non, attends, dis-moi. Donc, comme madame a reçu une nouvelle lampe, ça y est, tu ne te sens plus. Tu te crois maintenant la majesté, la reine de ce village. Qui est au bon? Change un peu, la sœur. Si tu en voulais, fallait me demander. J'ai demandé à ma copine qu'à passer en ville. Sinon, pas de quoi se fâcher. Toi aussi, on est ensemble, non? Ne touche plus. Hein. Attends, parce que maintenant, Agathe, tu es devenue la reine des hypocrites, n'est-ce pas? Obonne. Quoi? Je ne te permets pas de me parler comme ça. Tu vas faire quoi? Et laisse-moi te dire une chose. Si ton seigneur est stupide, le mari ne peut t'en offrir que les jaloux maigrissent, déjà que tu es mince même, tu m'entends bien maigrir. Et
puis, c'est quoi?
tu ne dors plus. Manobal. Hein? Moi, chérie. Tu me caches quoi? Je te cacherai. Hein? Yeah. Bonne arrivée. Ah bon? Ok. Mais normalement, je sais que lorsqu'on est chez soi, dans sa propre petite maison, on ne craint rien. Ce n'est pas comme toi là. Tu es en train de chuchoter dans les coins de la maison. En tout cas, je pars chez le chef Nyota. Va! Cesse de m'embêter pour que je te donne. Je sais ce que tu veux. Mais tu n'auras rien. Mais rien du tout. Ah bon? Oui? Ok. Oh! Quoi cette mine? Bonjour maman. J'ai des raisons d'être ainsi. Que se passe-t-il? Cela fait 3 jours déjà que je ne vois pas ma mère. Je ne mange même pas bien. Je ne peux qu'être inquiète. C'est quoi, mère? Ma fille, je te comprends. Ne t'inquiète pas. Elle ne doit pas être bien loin. Sonzumorim, on va la retrouver. Hein? Je l'espère. En tout cas, Ima Wendo.
d'avertissement. Ensuite, la maladie est moelée. Maintenant, moi, devant tout couf. Non. Ça ne va pas se passer. Georgette, courrez-y. Ouais, dans ton aigle, là. Va m'appeler le maire. Qu'est-ce que j'ai fait dans ce village? J'ai fait quoi? Qui dans ce village? Mon unique fille. Parole des génies. Nous sommes confrontés à bien des difficultés. Cocole Batia, aide-nous. Avant nous de nous, elle a de nous cacaille dans ta nous. A quoi va dire? Pourquoi on a de belles grecs? Pourquoi on a de nous? Pourquoi on a de nous? On a de nous, tchaoué, ammonie, parada. Au job, lala, amala, wajo, jolouge. A dire, vous comprenez? On est bada, bada, bada. On est? Ah oui. Attends. Chef! Où est-ce? Hé, mon oudier, où est-ce là? Chef! Chef! Mon oudier! Hé! L'œuf là, si ça casse, si c'est chaud, c'est que c'est bon! Si c'est rouge, hey, c'est mauvais. À quoi va dévoguer? Allez! Chef! Ouais, c'est mauvais. Chef! Ouais, c'est mauvais. Tangaré! 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 Esprit des eaux! Grande souveraine, viens à tes enfants, viens à tes enfants, viens à tes enfants. Tangoé, 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 tangoé. Grande souveraine, viens à tes enfants, viens. Viens à tes enfants. Thank you.
C'est moi. Oh. Je suis à God par erreur et j'ai caché son corps dans l'eau. Oh. C'est appréciable. C'est l'occasion pour moi, mis à part la présence de notre marraine, ici, de saluer la présence de Madame Justine Mintza, que je vous demande d'applaudir tout à l'heure. Nous avons, effectivement, nous avons tous lu Première Lecture, nous avons lu Histoire d'Aou, ce qui veut dire que la deuxième édition du Festival Libre marche à merveille. Tous. Yeah!